la plus grande compétition du monde, que chaque participant représente son pays. Il y a les Jeux, paralympiques et Jeux olympiques. Bienvenue à Yunz aujourd'hui en Moselle pour la troisième étape des Jeux du foot. Cette journée, on a un objectif, c'est de transmettre les valeurs de l'Olympisme et de la Fédération Française de Football et que les enfants apprennent un peu plus sur l'histoire des Jeux Olympiques. Nous, on parle des valeurs olympiques, donc on explique aux enfants qu'est-ce que sont les valeurs olympiques des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Nous sommes ici aujourd'hui à Yutz. C'est d'ailleurs un peu emblématique parce que Yutz est une des villes de Moselle qui va accueillir au mois de juin le passage de la flamme olympique. Au programme aujourd'hui, des ateliers techniques, des ateliers éducatifs et une partie jouée avec des matchs en format réduit, 2 contre 2, 3 contre 3 et 5 contre 5. L'objectif, c'est tout d'abord de leur poser des questions sur la culture générale et aussi les sensibiliser par rapport à la Fédération de France. J'ai appris que les Jeux Paralympiques, c'était pour les personnes en situation de handicap. Journée, on voit des sourires et du soleil, donc objectif réussi, une journée très agréable.